Et quels étaient les enjeux de la préparation d'un tel événement avec le contexte qu'on connaît ? Alors, de pouvoir le faire, ouais, exactement. Tout simplement. C'est ça. On avait pas mal de craintes avec des restrictions qui auraient pu avoir lieu. Et nous, on voulait vraiment faire quelque chose à l'image de Sidev, donc convivial, avec du monde, et puis faire une belle soirée ce soir. Donc, dans le contexte Covid où on a connu des couvre-feux, des restrictions de jauge, etc., c'était vraiment pas gagné. Et finalement... Paris gagné, on a pu mener à bien le projet, mais c'est vrai que travailler pendant 6 mois en se disant que probablement le projet ne pourrait pas se faire, c'était quand même pas évident. On n'y pensait pas en fait, on a essayé de pas y penser. Ouais. Alors est-ce qu'on le refait l'année prochaine ? Peut-être qu'on refera quelque chose l'année prochaine, puisque le bilan est plutôt satisfaisant et je crois que l'ensemble des participants, qu'ils soient exposants ou visiteurs ou même nous, l'équipe, on est très contents de la réussite de ce salon. Après, voilà, c'était les retrouvailles. Ça faisait quelques temps qu'il n'y avait pas eu de salon qui se sont faits en France ou même en Europe.